L'événement politique, c'est ce soir sur France 2 avec l'interview accordée par François Mitterrand à Jean-Pierre Elkabbach en direct de l'Elysée à partir de 20h45. Le chef de l'État répondra aux interrogations sur sa santé, bien sûr, mais aussi et surtout tentera de répondre aux troubles de ses amis socialistes sur son passé et notamment ses liens avec René Bousquet. Un petit avion s'est écrasé ce matin sur la pelouse de la Maison-Blanche. Le pilote est mort. Apparemment, il ne s'agit pas d'un attentat. Les enquêteurs privilégient plutôt la thèse de l'acte d'un déséquilibré. Après l'annonce hier par Édouard Balladur de mesures sociales pour stimuler la croissance, nous reviendrons sur le problème des RMistes qui ont beaucoup de difficultés à se réinsérer dans le monde du travail. Les élections au Québec aujourd'hui, en cas de victoire, les indépendantistes ont l'intention d'organiser un référendum. En Allemagne, fin du suspense, au moins 4 reparieurs vont se partager les 143 millions de la colossale cagnotte. En tennis, André Agassi est devenu le prince de New York la nuit dernière en remportant la finale de l'US Open. Madame, Monsieur, bonsoir. Un petit avion monomoteur s'est écrasé la nuit dernière dans l'enceinte de la Maison-Blanche. Le couple Clinton n'était pas là en raison de travaux de rénovation dans leurs appartements. Le pilote a été tué et les enquêteurs privilégient plutôt la thèse de l'acte d'un déséquilibré. À Washington, pour France 2, Aubry Edler. Tout s'est passé si vite et avec si peu de bruit que le président Clinton, logé provisoirement pour cause de rénovation à Blair House, la résidence des hôtes étrangers située en face de la Maison Blanche, n'a pas été troublé dans son sommeil. Il était environ 2h du matin, 8h en France, quand un Cessna rouge et blanc s'est écrasé sur la pelouse du palais présidentiel. Le petit appareil a explosé en heurtant un arbre du parc. L'accident a tué le pilote sur le coup et provoqué de légers dégâts matériels. Le célèbre bureau ovale, lieu de travail des présidents américains, n'a pas été touché. J'ai vu les lumières vertes sur le côté d'un avion et ensuite on a entendu l'impact. Très vite repéré, à 7h de la nuit, l'aéroport de Washington est fermé au trafic. L'avion était suivi sur les radars par le service secret chargé d'assurer la sécurité de la Maison-Blanche. Spécifiquement entraînée pour veiller sur son président, cette unité est même équipée de missiles anti-aériens. On comprend alors l'embarras des officiels qui n'ont toujours pas fermement annoncé s'il s'agissait d'un accident, d'une tentative d'attentat ou d'un suicide, thèse néanmoins privilégiée pour l'instant. On sait seulement que le Cessna ne transportait aucun explosif. Sans faire de commentaires, le président Clinton a joué ce matin la confiance et la sérénité en ne modifiant pas son emploi du temps. Ce n'est pas la première fois que des événements similaires se produisent à la Maison-Blanche. Il y a 20 ans, un soldat américain réussissait à poser sur cette même pelouse l'hélicoptère qu'il venait de dérober à son unité. L'homme était immédiatement arrêté et placé en hôpital psychiatrique. 2 ans plus tard, un autre forcené, moins bien équipé, celui-là, tentait une invasion au volant de sa camionnette. L'épaisseur imposante des grilles de la Maison-Blanche mettait un point final rapide à son expédition. Hors des États-Unis, ce n'est pas la première fois que de petits coucous survolent ainsi des espaces interdits. On se souvient de ce jeune Allemand qui, en mai 87, s'était posé sur la place Rouge. En février dernier, un Américain avait atterri à moitié nu sur le toit du palais de Buckingham à Londres avec un parapente à moteur. Paris a également été le théâtre plusieurs fois d'incidents de ce genre, d'où la question, les bâtiments officiels sont-ils à l'abri d'une attaque aérienne mal intentionnée? Enquête Maryse Burgot, Éric Messi. Survoler Notre-Dame de Paris, survoler les quais de la Seine, c'est évidemment somptueux. Somptueux, mais très rare. Là, c'était en août dernier, une autorisation exceptionnelle pour le cinquantenaire de la libération de Paris. Car survoler la capitale, c'est interdit. Et c'est une des premières choses que ce pilote instructeur enseigne à ses élèves. Inutile de rêver, leur dit-il, une petite balade au-dessus de Paris en monomoteur, c'est quasiment impossible. Le survol de la capitale même est absolument interdit par tous les petits avions de cette espèce, du sol jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Donc normalement non, à part dérogation exceptionnelle délivrée par la préfecture de police de Paris. Et au cœur des anciennes carrières de gypse à Taverny, des hommes veillent, discrets mais impressionnants. Nous sommes au centre de conduite des opérations aériennes. Ici convergent toutes les informations données par les radars. Chaque avion est identifié et si l'on en surprend un au-dessus de Paris, il sera sommé sur le champ de quitter le territoire. Il peut même être pourchassé par une patrouille de permanence. Ça peut être un arraisonnement, c'est-à-dire obliger cet avion à se poser sur un terrain désigné à l'avance, et puis ça peut aller jusqu'au tir de semonce, voire au tir de destruction. Et est-ce que ça arrive souvent ?
Ce n'est pas arrivé depuis très longtemps, comme vous le savez. Ce n'est pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Même le célèbre Baron Noir a échappé à cette punition extrême. Le Baron Noir, cet homme qui, un dimanche d'août, osa se poser sur les Champs-Élysées. Il fallut plusieurs jours à la défense aérienne pour l'identifier, une petite plaisanterie qui coûta quand même au baron 20 000 francs et 3 ans d'interdiction de vol. Mais il ne regrette rien, c'était, dit-il, tellement beau. Intervention très attendue de François Mitterrand ce soir sur France 2. Interrogé par Jean-Pierre Elkabbach en direct de l'Elysée tout à l'heure à partir de 20h45, le chef de l'État devrait être amené à en dire davantage sur son état de santé. François Mitterrand va surtout tenter de répondre aux troubles exprimés publiquement par certains de ses partisans au Parti Socialiste sur son attitude pendant la guerre et surtout sur ses relations ultérieures avec René Bousquet. Les révélations du livre de Pierre Péan ont en effet eu un effet assez ravageur au sein du Parti Socialiste. Guylaine Chenu. Les socialistes face à la jeunesse de François Mitterrand. Une jeunesse qui a semé le trouble et déjà récolté la colère. C'est au Bureau national, mercredi dernier, que la polémique a éclaté. Et au fil des jours, le débat continue. Ce que je ne peux pas, moi, accepter, comme d'autres d'ailleurs, c'est qu'on ait conservé avec un homme qui était responsable quand même de la déportation de milliers de juifs et d'enfants juifs, des relations d'amitié. L'amitié à ce prix-là, je ne suis pas d'accord. Trouble, incompréhension, des sentiments qui ont gagné beaucoup de socialistes. Certains, comme Laurent Fabius, affichent leur tristesse devant la polémique engagée. D'autres, comme Henri Emmanuelli, reconnaissent que les liens du chef de l'État avec René Bousquet suscitent des interrogations légitimes. Mais pour le parti, ces attaques sont une tentative de déstabilisation. Il y a ces interrogations légitimes. Et puis à côté de ça, je parlais de procès en sorcellerie parce qu'à écouter certains commentaires... François Mitterrand serait devenu un collaborateur. Quoi. Vous attendez quoi de François Mitterrand ce soir? Qu'il fasse taire ses critiques? Qu'il lève les ambiguïtés et après on verra si les critiques étaient des procès d'intention ou si elles étaient légitimes. J'attends l'explication et je ne souhaite qu'une chose, c'est que l'explication qu'il donnera ce soir puisse me satisfaire. 10 jours après la sortie du livre de Pierre Péan, c'est toute la famille socialiste qui semble ébranlée et ce soir, elle attend du président qu'il la rassure. Hier soir, Édouard Balladur s'était refusé à commenter la jeunesse du président tout en faisant remarquer assez sèchement qu'à ses yeux, je le cite, « Vichy était un régime qui était pratiquement, dès le départ, intrinsèquement mauvais ». Je vous propose d'entendre Serge Klarsfeld, président de l'Association des fils et filles de déportés juifs de France, qui nous précise ce qu'il attend des explications de François Mitterrand ce soir. J'attends qu'il confirme ou qu'il démente les propos qui lui ont été prêtés, notamment en ce qui concerne René Bousquet, le chef de la police de Vichy. Il faut comprendre que les enfants des déportés juifs de France peuvent très mal admettre que le président de la République ait déclaré « J'ai revu avec plaisir mon ami Bousquet, c'était un homme d'une carrure exceptionnelle », quand ce même Bousquet était responsable organisateur de la rafle du Veldiv, de la grande rafle des juifs de la zone libre. Tout ceci est détestable et donc nous espérons qu'il démentira ses propos. Voilà, François Mitterrand tout à l'heure sur France 2 à 20h45. La situation économique et sociale, pour le troisième mois consécutif, les prix à la consommation sont restés stables en août en France à 0% selon l'indice provisoire calculé par les experts de l'INSEE. Sur les 12 derniers mois, la hausse des prix observée en France reste donc stable à 1,7%. Invité hier soir de l'émission 7 sur 7, le Premier ministre a ébauché sa vision de l'avenir en proposant aux Français une ambition collective nationale, réduire sur plusieurs années le nombre de chômeurs d'1 million au rythme de 150 000 par an. Pour stimuler la croissance, le Premier ministre a annoncé 2 mesures sociales qui n'ont pas, semble-t-il, provoqué l'enthousiasme des syndicats. Édouard Balladur a tout d'abord annoncé un allègement fiscal pouvant aller jusqu'à 45 000 francs par an pour les emplois familiaux. Édouard Balladur a également annoncé une mesure d'incitation pour les entreprises à l'embauche de RMistes, une mesure qui concerne potentiellement 2 à 300 000 personnes, potentiellement car de nombreux RMistes éprouvent de très sérieuses difficultés à se réinsérer dans le monde du travail. Laurent Bailly a rencontré un chômeur de 34 ans qui depuis 2 ans maintenant voit toutes les portes se fermer devant lui, un exemple qui illustre bien la difficulté de se réinsérer. Ça, c'est l'APES. Une association située à Villejuif, en région parisienne, et qui tente de réinsérer des chômeurs et des exclus.
Lui, c'est Éric Leroy. RMiste, il pointe également à la NPE depuis 3 ans, comme le font un tiers des 900 000 RMistes de France. L'histoire d'Éric Leroy, elle est donc tristement banale, une histoire de temps de crise. Ce qui m'est arrivé, c'est la dégringolade. Je suis au chômage depuis 91. Maintenant, je touche le RMI depuis 2 ans, j'ai 34 ans. Je suis obligé de vivre chez mes parents. Et je trouve ça lamentable, quoi, à mon âge, d'être dans cette situation. Moi qui avais un salaire d'ajusteur de 8 000 à 9 000 francs, et ben, j'en suis réduit à 2 000 francs par mois. En passant par la PES et la NPE, Éric Leroy a pourtant suivi des formations. 2 mois par-ci, 3 semaines par-là, rien de vraiment solide et aucun débouché. Plutôt dur à avaler quand on est un ouvrier qualifié. J'ai un CAP d'ajusteur que j'ai passé en 78. Ensuite, je suis rentré sur le marché du travail début des années 80. Puis ce qui s'est passé, c'est que mon boulot s'est fait rattraper, disons, par le modernisme. La suite, elle est simple. D'abord le licenciement, les stages, les entretiens stériles et les portes qui se ferment. Et puis le RMI et ce chômage qui dure et qui sape jour après jour l'espoir de la réinsertion. Les mesures annoncées hier prévoient un versement d'environ 1 800 francs par mois pour l'embauche d'un RMiste pendant au moins 6 mois. Ces incitations financières seront-elles suffisantes aux yeux des patrons pour qu'ils surmontent une certaine réticence à embaucher des RMistes ? Enquête de Frédéric Rota et Gilles Doblard. Zivi est une petite entreprise de 15 salariés. Elle sous-traite du matériel électronique pour de gros clients comme la Marine nationale, Renault ou Peugeot. Cette société de la banlieue parisienne a besoin de personnel spécialisé mais aussi d'employés non qualifiés. La mesure annoncée par Édouard Balladur pourrait l'intéresser, mais pour l'instant les carnets de commandes ne sont pas assez remplis. Elle n'est pas prête à engager des RMistes. Le préalable, c'est qu'effectivement on a du travail à donner. Quand on n'a pas de travail à donner, on peut nous offrir tous les RMistes que l'on voudra. Et si on n'a pas à les occuper, la mesure n'est pas effective. Dans un contexte favorable, ce genre de mesure va quand même être le petit plus qui veut nous amener à embaucher alors qu'on n'aurait peut-être pas embauché autrement. Ici, dans l'entreprise Jean Rocher, à Asnières, on est moins convaincu. Les 40 salariés travaillent dans un secteur très pointu, la fabrication d'ampoules pour la signalisation industrielle et les chemins de fer. 2 anciens chômeurs ont bien été embauchés, mais ils ont plus de 50 ans et donc une grande expérience professionnelle. Pour les plus jeunes, le patron est réticent. La difficulté, c'est la réinsertion. Et la réinsertion, finalement, c'est le volet un petit peu pauvre de cette histoire, parce qu'il faut quand même un minimum de remise en selle, d'habitude à reprendre, et puis de comportement aussi à avoir vis-à-vis de son travail. Selon Matignon, ce sont 200 à 300 000 RMistes au chômage depuis 2 ans qui devraient être concernés par cette mesure. Même si la reprise est sur toutes les lèvres, elle n'est pas forcément dans tous les carnets de commandes. Les patrons et les affaires, suite Marc de Nadaillac, le PDG de Pont-à-Mousson, une filiale de Saint-Gobain, a été entendu aujourd'hui à Rennes pendant plus de 3 heures par le juge Van Rienbeek. Cela dans le cadre bien sûr de l'affaire Tragère pour laquelle le PDG du groupe Jean-Louis Beffa a été mis en examen la semaine dernière. Jacques Farran, ancien député PR et ancien président de la Chambre de commerce de Perpignan, a été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme, ainsi qu'à 2 millions de francs d'amende. Cela pour avoir détourné en 3 ans plus de 500 000 francs des recettes du parking de l'aéroport de la ville de Perpignan. Rentrée quelque peu grinçante dans l'enseignement privé, où l'on s'affirme un peu frustré après l'annulation par le Conseil constitutionnel d'une partie de la loi visant à abroger la loi Falloux. Reportage Chantal Kimerlin, Jean-Louis Boussert. Bienheureux ceux qui ont une petite chaise dans cette maternelle. 60 enfants sont restés à la porte le jour de la rentrée. On n'accepte aucune inscription depuis janvier dernier. Le privé fait recette, mais n'a pas les moyens de sa réputation. Et de la maternelle jusqu'au collège, les classes comptent ici de 28 à 31 élèves. Ce sont des classes qui sont effectivement, qui ne sont pas à faible effectif. C'est-à-dire qu'il y a nécessité pour nous de faire une pédagogie un petit peu différenciée et d'avoir des demi-groupes pour travailler. Donc des salles supplémentaires que nous n'avons pas. L'école Sainte-Anne étouffe parce qu'elle ne peut recevoir les élèves qui voudraient s'y inscrire. Et paradoxe, ce sont ces inscriptions qui débloqueraient les subventions d'État pour fonctionner correctement. Avoir une bibliothèque, une documentaliste, une salle d'éducation physique et 2 fois plus de classes, comme la demande le laisse entendre. Mais le gel de la discussion sur la loi Falloux a stoppé tous les espoirs d'extension. Par les parents qui ne sont pas eux-mêmes malades. Non seulement nous attendions une meilleure rentrée 94, mais nous fondions de grands espoirs justement pour obtenir cette parité entre le public et le privé.
du moins des équivalences qui pouvaient être intéressantes. Vous attendiez mieux pour l'école privée avec le nouveau gouvernement? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je suis déçue, je sais qu'ils essaient, mais ça n'a pas abouti. On attend un aboutissement, on voudrait voir quelque chose de concret. Déboires accumulés, espoir de subventions envolées, plusieurs dossiers en suspens. L'enseignement catholique sous contrat la firme. Face à son ministère, la rentrée se fait sous le signe de l'attente difficile. Mise en examen et incarcération aujourd'hui du principal dirigeant de l'organisation d'extrême gauche turque Defsol, arrêté vendredi à la frontière franco-italienne, et cela en compagnie d'un couple. Cette organisation a revendiqué la responsabilité de plusieurs attentats en Turquie et les assassinats de plusieurs dizaines de policiers turcs ou de généraux en retraite. La Turquie va, semble-t-il, demander prochainement officiellement à la France son extradition. Intervention particulièrement musclée de Charles Pasqua devant les délégués de policiers venus débattre de la gestion des crises en matière de sécurité publique. Vous devez vous préparer à la crise comme des militaires se préparent à la guerre, sans la souhaiter, a affirmé le ministre de l'Intérieur. Et pour ce faire, il vous appartient de développer une véritable culture de crise. Le cardinal de Courtrai a été victime d'un malaise d'origine cérébrale cet après-midi à l'évêché de la Fourvière à Lyon. Après avoir été soigné par le SAMU, l'archevêque de Lyon, qui est âgé de 71 ans, a été admis dans un service neurologique. Françoise Vallée. Il était environ 16 heures lorsque Mgr de Courtrai a été découvert inanimé par son entourage à l'archevêché. Rapidement, les pompiers sont arrivés sur place pour lui prodiguer les premiers soins. Le cardinal a ensuite été pris en charge par le SAMU pour être conduit vers 18h à l'hôpital neurologique de Lyon où il se trouve actuellement. On ignore pour l'instant l'origine de son malaise. Des examens sont en cours. Selon son entourage, Mgr de Courtrai, âgé de 71 ans, était en excellente santé. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes de l'archevêché ont remarqué quelques signes de fatigue à l'heure du déjeuner. Son malaise est survenu pendant sa sieste qu'il faisait comme tous les après-midi. Comme il avait un rendez-vous avec des carmélites cet après-midi, on s'est étonné un petit peu du retard qu'il avait, alors que c'est quelqu'un qui est très ponctuel. Et puis, au bout d'un certain temps, quand il ne répondait pas, comme il ne répondait pas à la porte, on a défoncé la porte et c'est là qu'on l'a trouvé. Comment l'avez-vous trouvé? Il était allongé à côté de son lit, par terre. Voilà, comme ça. Inconscient? Non, pas vraiment, puisqu'il avait le regard ouvert, mais il ne pouvait pas communiquer. Jeudi dernier, Mgr de Courtrai célébrait encore une grande messe à Fourvière. Il semblait dans une forme normale. Graves inquiétudes également sur l'état de santé du pape Jean-Paul II, qui est apparu extrêmement fatigué lors de sa visite à Zagreb. Commentaire de notre correspondant permanent à Rome, Alain Chalvron. Difficulté à descendre la passerelle. Impossibilité de s'agenouiller pour embrasser le sol comme il le fait toujours. Démarche difficile et surtout un visage marqué par la douleur. Ces images du pape à Zagreb ont relancé les spéculations sur son état de santé. Déjà le mois dernier, au cours de ses vacances au Val d'Aoste, Jean-Paul II avait paru bien fatigué, souffrant le martyr. Visiblement, il a du mal à se remettre de son opération du col du fémur au début de l'été. Y a-t-il un autre mal, certains le disent, à Rome? Toujours est-il que cela ne l'a pas empêché de faire à Zagreb trois longs discours dans une langue qu'il ne connaît pas bien, le croate, et d'avoir plusieurs projets de voyage, dont un en Australie, comme si le contact avec les foules lui donnait des forces. Les Québécois votent actuellement pour renouveler leur Assemblée nationale. Les indépendantistes du Parti québécois, le PQ, donné vainqueur par tous les sondages, prévoient d'organiser l'année prochaine un référendum sur l'indépendance du Québec. Cela dit, les Québécois sont-ils prêts pour autant à la scission? Début de réponse avec notre envoyé spécial, Michael Darmon. Voici l'homme qui promet de libérer le Québec. 14 ans après leur échec historique, Jacques Parizeau, à la tête du Parti québécois, a rafistolé le rêve des indépendantistes. Et pendant la campagne, il n'a laissé planer aucun doute sur l'avenir de la belle province. On va l'avoir, le référendum, que le Québec va devenir un pays souverain, que dans un an d'ici, à peu près, 8-10 mois, un an, le Québec va être un pays normal. Exaltant ou dérisoire, le projet d'indépendance reste ici une rêverie nationale. Et c'est en s'appuyant sur cette contradiction que le libéral Daniel Johnson a tenté de renverser la tendance. Ce n'est pas logique
de voter pour des séparatistes si on est contre la séparation. Aujourd'hui, les Québécois, après 7 semaines de campagne, rendent leur verdict entre 2 rendez-vous, avant ou après le travail, avec pour l'instant des préoccupations plus économiques que nationalistes. Les gens ont peur du futur. Les gens sont, ils sont plus concernés avec les emplois. Est-ce qu'on va avoir des emplois? On n'a pas été bien servi par le fédéralisme au Québec. Je pense qu'on est capable d'être autonome, oui. Mais si par exemple le Parti québécois prend le pouvoir, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose pour l'instant. Peut-être l'instabilité. L'instabilité économique surtout. Au Québec, petite Amérique en version française, on craint les tensions que susciterait un éventuel processus d'indépendance. La deuxième révolution tranquille, redoutée par les uns, souhaitée par les autres, pourrait être plus agitée que prévu. En fait, les Québécois veulent surtout changer de gouvernement. La question nationale, ce sera pour plus tard, disent-ils. Et c'est bien là tout le paradoxe. Au Québec, les indépendantistes progressent, mais pas l'idée de l'indépendance. À Cuba, l'immigration des Balseros sera illégale à partir de demain et les policiers cubains ont bien l'intention de sévir. D'autre part, l'accord signé l'autre semaine avec les États-Unis prévoit la promesse formelle de Washington d'accorder 20 000 visas par an, un chiffre qui semble dérisoire comparé au nombre des candidats à l'exil. Reportage de nos envoyés spéciaux à Cuba, Laurent Boussier, Alain Saint. Représentation américaine à La Havane ce matin, à l'heure où les portes s'ouvrent. Ils sont déjà des dizaines, ils seront bientôt des centaines à venir déposer une demande de visa. Attente, liste improvisée, rien n'a été prévu pour un tel afflux dès aujourd'hui. Cris, bousculades, protestations, les gens sont mécontents. Ils ont choisi l'immigration légale vers les États-Unis, mais malgré l'accord signé vendredi dernier à New York, ils savent que tous ne pourront pas partir. Moi, j'ai déjà fait 2 demandes de visa. Je devrais être prioritaire. Tout ça aurait dû être prévu bien avant. Rien n'a été organisé. On attend 3 heures au soleil, on se bat comme des animaux pour avoir une information. On était très contents au départ, mais aujourd'hui, on est lundi et il n'y a rien de nouveau. Depuis 1980, je suis là, à attendre un visa, sans pouvoir partir. Vous voyez pas comme c'est moche? C'est un bateau qu'il nous faut, pas des papiers. Les Américains ont promis 20 000 de ces visas par an, un chiffre sur lequel ils s'étaient déjà entendus en 1984 avec les Cubains. Un chiffre qu'ils n'avaient jamais respecté. L'année dernière, par exemple, ils n'ont délivré qu'un peu plus de 3 000 de ces visas. Des problèmes qui importent peu aux derniers Balseros à prendre la mer. Si quelques-uns ont abandonné leur projet et laissé leur radeau sur le sable, la plupart ont profité de cette journée de lundi pour larguer les amarres sous l'œil impassible des policiers et des militaires qui ont reçu l'ordre d'empêcher par la force s'il le faut tout nouveau départ à partir de mardi 12h. Mais le dispositif policier est déjà en place, des centaines d'hommes postés dans et autour de La Havane qui interdisaient aujourd'hui déjà aux camions et aux camionnettes transportant des radeaux de s'approcher des plages. Autre île en crise, non loin de là, Haïti. Les effets de l'embargo international se font de plus en plus cruellement sentir sur la population civile, à témoin ces scènes de bousculade pour tenter d'obtenir tout simplement des rations alimentaires. Le secrétaire général de l'ONU a une nouvelle fois demandé officiellement et instamment aux militaires haïtiens de quitter le pouvoir, cela alors que les Américains poursuivent les préparatifs d'une intervention militaire. Un navire de guerre de l'US Navy est entré hier dans la rade de Port-au-Prince. En France, depuis que la péridurale est remboursée à 100% par la Sécurité sociale, les anesthésistes sont débordés dans les maternités. Certains ont déclenché une grève du zèle pour sensibiliser le public à leurs problèmes. Reportage dans une maternité de Vitry, Marie-Hélène Bonneau, Jean Cornu. Xavier a tout juste une demi-heure. Sa maman vient d'accoucher sous péridurale, une forme d'anesthésie locale demandée par environ 60% des femmes qui refusent d'accoucher dans la douleur. C'est normal, toute femme a le droit de mettre son enfant au monde sans souffrir. Hein. Alors le prochain bébé, vous redemandez la péridurale? Ah, si j'en ai un autre, oui, sans problème. Hein. Ah oui, sans hésitation. Docteur, vous n'avez pas fait la grève aujourd'hui? Si, nous sommes en grève. Il s'agit en fait d'une grève du zèle, c'est-à-dire que d'une part nous informons les patients des problèmes actuels qui se posent et nous n'effectuons les péridurales que lorsque les conditions de sécurité sont requises.
Depuis l'annonce en mai dernier du remboursement à 100% de la péridurale à toute femme qui le souhaite, leur nombre a presque doublé. Les anesthésistes voient leur temps de travail augmenter, mais pas leurs revenus. Ils touchent 540 francs pour une péridurale contre 600 francs pour une césarienne, trois fois plus rapide. Même s'ils sont d'accord avec le plan gouvernemental sur la sécurité de la mère, les anesthésistes en dénoncent les effets secondaires. Ce qu'on regrette, c'est que d'une part, on n'a pas été consulté, et que deuxièmement, il y a des effets pervers qui empêchent de réussir cette gageure. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord avoir suffisamment d'anesthésistes dans les maternités privées pour qu'ils puissent se consacrer à la maternité privée. Or, c'est certainement une des activités d'anesthésie les plus sous-évaluées par la nomenclature générale des actes médicaux. À partir du 1er janvier, les cliniques qui effectuent plus de 1500 accouchements par an devront assurer 24 heures sur 24 la présence d'un anesthésiste réanimateur. Les effectifs sont déjà insuffisants et les cliniques risquent même de ne plus trouver de remplaçants. Les futures mères en feront peut-être les frais. Fin du suspense en Allemagne. Ce sont en effet 4 parieurs, dont un à Trèves, qui ont décroché le gros lot de 143 millions de francs de la colossale cagnotte du loto, remise en jeu pendant 10 semaines consécutives, faute de gagnants. Reportage de nos envoyés spéciaux à Trèves, Ludovic Fossard et Didier Rigaud. Il se cache quelque part entre ces montagnes, quelque part dans l'un de ces foyers, bien à l'abri dans les mains de l'une des 100 000 personnes de la ville de Trèves. L'un des bulletins gagnants de la super cagnotte du loto allemand vient de rendre des habitants de cette ville multimillionnaires, puisque leurs gains s'élèvent à près de 35 millions de francs. 35 millions de francs et des gagnants dont personne ne connaît ici l'identité. Les journalistes de toutes les rédactions s'interrogent, sans pour autant avoir de réponse pour le moment. Nous sommes toute la journée à la recherche du gagnant et nous sollicitons également la société de loto à Koblenz, mais elle refuse de donner des noms, ce que je peux comprendre. Donc nous ne savons pas qui il est. Une seule chose est donc sûre pour le moment, celui qui a coché les 6 bons numéros et le numéro complémentaire l'a fait pour une communauté de joueurs. Ils habiteraient dans la banlieue de Trèves et recevraient leur argent d'ici 8 jours, pas suffisant pour faire taire la rumeur. Il y a seulement une personne ou peut-être quelques personnes qui a gagné et tout le monde est très nerveuse pour savoir c'est qui. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, tu sais déjà qui est le gagneur ou quoi, mais c'est très exubérant la situation, l'atmosphère ici. On en saura peut-être un peu plus dès demain car la société du loto a promis de donner des informations supplémentaires. Cependant, le gagnant pourra rester anonyme s'il le désire, afin de ne pas devenir riche et célèbre. Le kid est de retour et lui aussi, il a gagné le gros lot. André Agassi a effectué un fulgurant retour sur le devant de la scène en remportant la nuit dernière la finale des internationaux de tennis des États-Unis. Portrait du nouveau prince de New York avec François Brabant. Ladies and gentlemen, the 1994 men's singles champion, André Agassi. On peut trouver qu'il en fait trop, beaucoup trop même. On peut trouver qu'avec Brooke Shields, ils ne sont pas trop bien assortis. Bref, on peut tout à fait ne pas l'aimer. N'empêche, quand André Agassi joue comme hier contre Michael Stich, il est une vraie bénédiction pour le tennis. Ah oui ! On dit que les joueurs sont trop lisses. Agassi, c'est le cabot parfait. On dit que le service tue le tennis. Agassi, c'est du fond du court qu'il déménage. On le disait, inconstant, pas sérieux, bedonnant, pire, amoureux, bref, perdu pour le tennis, Agassi, 20e mondial, a sorti 5 têtes de série pour remporter l'US Open. Score de la finale, Agassi bat Stich en 3 petits sets, fini le temps où, pour se faire remarquer, il ne trouvait rien de mieux à faire que de s'épiler le torse. À New York, Agassi est revenu pour sauver le tennis de l'ennui. Salut André, et merci d'être velu. Comme quoi on peut être amoureux, bedonnant et bien jouer au tennis. Le président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach, et le directeur général de la grande chaîne publique japonaise NHK ont signé cet après-midi un accord d'achat réciproque. Le Château des Oliviers sera bientôt à l'heure du saké et France 2 a acheté une série documentaire sur la Chine que vous verrez très prochainement. Les deux chaînes publiques ont de très nombreux autres projets en commun, notamment à l'occasion de la visite en France cet automne des souverains japonais. L'occasion de vous signaler l'ouverture à Paris d'une exposition tout à fait exceptionnelle consacrée aux arts décoratifs japonais, considérés comme la quintessence de l'art nippon traditionnel, vierge de toute influence occidentale. Reportage de Louis Carzou et de Bernard Puissosseau, nos spécialistes de la poterie et du macramé. Ne vous fiez pas aux poses des chalands, concentrés, admiratifs ou éclairés.
Les trésors nationaux vivants du Japon, ce ne sont point les œuvres, mais leurs auteurs. Tel Shokensai Iizuka, maître dans l'art de donner au bambou ce bois rebelle qu'il faut teindre, tordre, tresser, les formes rassurantes et chaleureuses d'un objet d'art familier comme une corbeille à fleurs. Lorsque je suis devenu trésor national vivant, cela faisait déjà 38 ans que j'exerçais mon art. J'étais très ému, mais cette distinction a bouleversé ma vie parce que c'est une très grande responsabilité d'être un maître, un modèle dans sa discipline. Depuis 40 ans, 95 artistes ont été nommés trésors nationaux vivants, rémunérés par le gouvernement, avec pour mission la sauvegarde des traditions japonaises dans les arts décoratifs et de la scène. Pour la première fois, leurs œuvres ont donc traversé steppes et océans pour venir témoigner jusqu'à Paris de leur héritage fait de lumière et d'harmonie. Notre difficulté, c'était de présenter le travail de tous nos trésors nationaux vivants, de choisir des réalisations qui soient représentatives. Alors, nous avons dû nous limiter à une ou deux œuvres par artiste. Textiles, céramiques, bois précieux, lacs ou métaux, la matière même des quelques 150 œuvres présentées finit par s'effacer devant l'œil du visiteur, bercé par les seules couleurs et émotions qui se dégagent de cette exposition tout à fait unique. Le palmarès de la Mostra de Venise avec deux Lions d'or ex aequo. Tout d'abord, pour le réalisateur macédonien Miko Manchevski, pour son film Avant la pluie, et donc ex aequo également, le réalisateur taïwanais Tsai Ming-yang, pour son film Vive l'amour. Je vous épargne la traduction en taïwanais, en chinois, si vous préférez. Cette toute dernière information pour vous faire rêver, grâce entre autres au succès de Jurassic Park, Steven Spielberg est passé en tête des personnalités du spectacle les mieux payées, avec un revenu brut l'an dernier total de plus d'1,7 milliard de francs. Je vous rappelle notre changement de programme ce soir sur France 2. La deuxième partie de L'Impur sera en effet diffusée lundi prochain en raison bien sûr de l'interview de François Mitterrand par Jean-Pierre Elkabbach en direct de l'Élysée dans quelques minutes. Vers 21h45, la première du nouveau magazine de Jean-Luc Delarue, Ça se discute. Et vers 23h, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Exceptionnellement, le cercle de minuit de Laura Adler justifiera véritablement son titre aujourd'hui. Demain à 7h, Gérard Leclerc dans les 4 vérités. À 7h50, recevra José Rossi, le numéro 2 du Parti Républicain. Bon anniversaire à François Ier, 500 ans aujourd'hui. Le dicton du jour, à la Saint-Apollinaire, je me sens poète. Dans un instant, la météo de Sophie Davant avec des pluies orageuses importantes sur le sud-est. À demain 20h, excellente soirée, merci.